je sais pas si tu te rends compte, mais voilà, on est un camping juste à côté. Ce que tu vois là, je sais pas si tu le vois bien, mais je peux dire qu'en direct live, c'est le sommet du Mont Blanc. C'est juste magnifique avec le coucher de soleil qui est à l'opposé. Donc c'est juste extraordinaire. Hello tout team, ben voilà, on a quitté ce super camping où on a passé un super bon séjour. Il faut savoir que ce matin on avait 11 degrés, donc hier on a passé la journée sous la pluie. C'était une journée où on a travaillé, Jenna sous son ordinateur, moi sous le montage des films, sur ceux qui vont suivre, ou que vous aurez déjà vu en tout cas, à ce moment où je suis en train de vous dire ça, vous aurez déjà vu probablement les films que j'ai montés, puisque je suis arrivé au troisième épisode de vacances. Et là on se dirige vers Chamonix, pourquoi? Parce que probablement que demain on va se lever très tôt, et on va aller avec le téléphérique à l'Aiguille du Midi, et puis faire une excursion avec le petit train jusqu'à la mer de glace. Donc on sera parti pour toute la journée. Voilà pour le programme. On vous montre ça plus tard. C'est pas le spot le plus sexy, mais voilà, on est au pied du Mont Blanc, on est à Chamonix. Regarde les parapentes là. Donc il fait encore nuageux, demain ils ont prévu plein soleil, donc au niveau du Mont Blanc. Donc on va partir d'ici, évidemment on va devoir se lever tôt, ça fait longtemps. On a l'habitude de se lever vers 8h30, 9h, donc là, on va mettre les réveils à 6h. Enfin, ça sera pour une chouette balade. On va faire un tour à Chamonix, voir un peu ce qu'il y a. Et on revient plus tard. Voilà, on a acheté nos billets pour demain. Donc on va d'abord faire le train avec la mer de glace demain matin. Et puis l'après-midi à 13h, on monte à l'Aiguille du Midi, donc pour voir les hauteurs du Mont Blanc. Donc faut quand même savoir, on a une réduction grâce au camping où on était avant. On a quand même payé 178 € donc pour ce pass. Donc c'est quand même un budget. Il faut prendre ça en considération.
faire part d'un achat que j'ai fait. Donc, on est près du Mont Blanc et on n'a pas eu le temps d'aller à la boulangerie puisqu'on se lève tôt pour aller faire une grande, grande balade. Donc voilà, ça c'est un petit four, tu vois, pour soit tu fais le pain toi-même, soit le pain fait cuit. Et donc voilà, c'est comme un four, enfin c'est connu, hein, les camping-caris, mais si jamais tu ne connaissais pas, ben, tu mets tes petits pains dedans. Voilà, qui sont pré-cuits. Tu achètes en grande surface, bien sûr. Vide. Faire chauffer, le mettre au centre et l'attendre. Et voilà. Le petit pain bien pré-cuit. Et on va mettre les deux derniers. Écoutez, un petit peu moins de temps puisque la plaque est déjà chaude. Hop là. Et voilà pour le petit déjeuner.